s'élance dans le ciel et nos ailes étincelles. Chacune de nous est l'étoile qui luit. Vraie magie, émotion, écoute notre chanson. Oui, nous sommes le sourire de tes nuits. Et la musique nous transporte loin là-bas. Rien ne nous arrêtera. Nous sommes les Wings Magic. Ensemble, on s'envole. Nous sommes les Wings Magic. Tu peux croire à tous nos pouvoirs. Ton rêve survivra. T'avance le score, on vira. Pour toujours, nous sommes les Wings Magic. Après leur rencontre avec Célina, l'amie d'enfance de Bloom, les Wings ont exploré la serre d'Alphéa dans l'espoir de trouver de nouveaux indices sur Eldora. Mais leurs recherches ont tourné court quand Célina a jeté un sort sur les plantes pour les transformer en monstres. Après une tentative ratée pour sauver Flora, Bloom a quitté Alphéa pour reprendre confiance en elle. Tu as l'intention d'entrer à l'école des sorcières de Tournuage. Oui, je possède d'excellentes aptitudes de leader. Ah oui? Et quel est ton maléfice le plus dangereux? Je suis capable de transformer n'importe qui en monstre. Montre-nous ça sur elle. Mais Jasmine est ma meilleure amie. Les sorcières ne s'embarrassent jamais d'amis. Tu es éliminée. Au revoir. Salut. Suivante. Je m'appelle Lazuli. Je suis une fée. Enfin, disons que j'étais une fée. Ce que j'essaye de dire, c'est que... Tu m'ennuies terriblement. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Dépêche-toi. Des cages en cheveux. Et je n'hésiterai pas à vous les montrer sur mes amis. C'est tout? Trop bizarre. Suivante. Moi, je... Attends. Mes sœurs, à qui cette fille vous fait penser? Bloom. Tu es éliminée. À propos de cette pauvre petite Bloom, à mon avis, c'est le moment idéal pour la piéger. Ah oui. Dis à tes amis de s'en aller. Tu es officiellement une élève de Tournuage. Je ne vous laisserai pas tomber. Je vous le promets. N'ayez pas peur, je vous libérerai toutes les deux. Bien, tout m'a l'air d'être en règle. Feuille de présence, c'est fait. Inspection des chambres, c'est fait. De la musique classique, je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Deuxième barre n'apparaîtra que si tu es persuadée que tu vas y arriver. C'est excellent, Roxy. Recommence trois fois et tu pourras passer au niveau 2. Tu te débrouilles très bien. Oh! Mademoiselle Griselda, bienvenue à l'inauguration officielle de mon gymnase. Bonjour. Comment les spécialistes et les fées font du sport ensemble? Ce n'est pas convenable du tout. Maintenant que Bloom n'est plus là, il faut bien qu'on se distrait un peu. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que tout le monde a repris le dessus. Tu peux continuer, Layla. Bon, les filles, allez, on y va. Je m'arrête, je veux faire une pause.
Tu sais, si on améliorait un peu notre style, on serait bien plus performante. Stella, on est là pour améliorer une seule et unique chose, notre endurance. Et si on s'entraînait avec des ailes? Ce serait quand même plus proche de la réalité. Ah, oui, là c'est mieux. C'est parti les filles. Nos ailes sont très encombrantes, Stella. Mais elles sont splendides, non? Allez, et un, et deux, et trois. On tourne, on se penche en avant et on s'étire. C'était plutôt une bonne idée en théorie. C'est vrai, je suis d'accord. On n'a qu'à réduire la taille de nos ailes. Stella, ça suffit. Comment ça? Si on veut battre les Trix, il va falloir passer à la vitesse supérieure et surtout arrêter de traîner. Oh, je ne traîne pas. Je voulais juste donner un coup de main, Layla. Excuse-moi de t'avoir fait perdre ton temps. Ne t'inquiète pas. On va aller lui parler. Viens, Misa. Stella, attends. Retournons dans la serre d'Eldora et essayons de trouver quelque chose. Ne le prends pas mal, mais moi je préférerais m'entraîner. Je serai là-bas si tu changes d'avis. Oh pauvre Layla! Sans Bloom, le Winx Club n'est plus le même. Tiens bon, Loquette, tout ira bien. Mais je sens que Bloom est triste aussi. Elle a besoin de nous. Elle me manque tellement. Les mini-fées, je vais à Gardenia. On y va toutes. C'est un très beau gymnase, Layla. Je suis ravie que ça te plaise. Hé, hey, tu sais ce qui te remonterait le moral? Faire du roller avec nous. On verra bien si tu peux me dépasser. Oh, tu me lances un défi? Tu es sûre de toi? Alors j'accepte et tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, génial! Waouh, c'est très impressionnant. Allez, c'est parti! À vos marques, prêts, partez! Salut les garçons! Wow. Tu es trop forte pour nous, Layla. Dans le genre surdoué, tu n'es pas mal non plus. Je t'admire, tu sais. Tu es vraiment très douée dans beaucoup de domaines. Bon, ça y est, on redescend. Et tu viens avec moi. Regarde, on va sauter de là-bas. T'es prête? Oui. Un, je suis juste derrière. Trois, saute. Super. Ouais. Parfait timing, Max. Et toi, parfait atterrissage. Regarde, ma chérie. Je me suis entraîné à faire des tours de magie. Attention, et voilà! Bien joué, papa. Merci. Trésor, j'ai une bonne blague. Et... parfois, il suffit juste de trouver la solution au fond de soi-même. Je suis sûre que tu vas y arriver, Bloom. Si vous n'arrêtez pas les Winx, elles finiront par trouver Eldora. Oui, je sais, Acheron. Mais je voulais juste savoir... Célina, on est de retour. Ton plan pour isoler Bloom a fonctionné à merveille. Toutes mes félicitations, Célina. Et maintenant, c'est l'heure de déclencher une attaque. Montre-nous Bloom.
Oh, la pauvre petite, comme c'est triste. La revoilà chez elle sur Terre, c'est typique. Sur Terre, j'ai justement une histoire à vous raconter. Autrefois, l'obscurité recouvrait la Terre. C'est l'histoire des enfants de la nuit. Légendarium! Les vampires de Vladstock! Prenez le contrôle de Gardenia et éliminez Bloom! C'est drôle, hein? Vos costumes sont magnifiques. Oh, je parie que vous devez sûrement aller au bal gothique de Gardenia. Grignotage tout de suite ou festin tout à l'heure? Festin tout à l'heure. Non! Oui, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. Les plantes, j'ai besoin de votre aide. N'ayez pas peur de parler. Oh, bonjour, Flora. Ravie de te rencontrer. Bonjour, Flora. Contente de faire ta connaissance. Est-ce que l'un d'entre vous connaît l'espèce de cette fleur et l'endroit où elle pousse? Je ne l'ai jamais vue, celle-là. C'est peut-être une fleur ermite qui vit seule dans les montagnes. Qu'est-ce que vous en dites? Toi? Non, pas moi. Aucune idée. Flora, viens ici. C'est moi. Moi, je sais. Oui, toi là-bas, parle. Cette fleur est une lanusia. Oh, elle est très rare et elle ne pousse que dans un seul endroit. Tu peux me dire où ça se trouve? C'est un lieu sur Terre qui s'appelle Gardenia. Oh, oh. C'est à Gardenia? Attendez, elle a toujours dit qu'elle aimerait se retirer dans un endroit près de sa fleur préférée. Dis-moi, est-ce que tu sais exactement où la lanusia pousse à Gardenia? Hélas, non, fée de la nature, je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est pas grave. Je vais le découvrir. Toc, toc. Quelqu'un veut te voir. Viens, Stella. Est-ce que tu as quelque chose d'important à me dire, Stella? Oui. Oui. Pourquoi tu es si autoritaire? Je m'attendais à ce que tu présentes des excuses. Moi? Hein? Pourquoi ce serait moi qui devrais m'excuser? Stella, tu te souviens de ce qu'on a dit? Ce dont je me souviens, c'est que Layla avait dépassé les bornes. Les Wings, j'ai une super nouvelle. Oh, arrête. Tu nous interromps toutes les 5 minutes pour nous parler mais de enfin, vêtements. Pour qui tu te prends? Eh ben, et toi, pour qui tu te prends? C'est moi qui ai raison. Les filles. Les filles. Ça suffit. Flora, écoutez-moi, la fleur d'Eldora pousse à Gardenia. À Gardenia? C'est pas vrai. Eh bien si. Et ça veut dire qu'on doit retrouver Bloom, coûte que coûte. Oh, ne pleure pas, Kiko. On va revoir Bloom très bientôt. Tu sais, elle nous manque beaucoup aussi. Je ne me reconnais pas en ce moment et je regrette beaucoup de m'être si mal comportée. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr. Moi aussi, je regrette, Stella. Qu'est-il arrivé à Célina? Nous étions si proches toutes les deux. On jouait pendant des heures dans la forêt des fleurs. Non. Mais oui, la forêt des fleurs. C'est la fleur d'Eldora. Mais alors ça veut dire que la bonne fée habite ici à Gardenia? Qu'est-ce qui se passe? Si
C'est nous qui avons les plus beaux costumes. Ils ont l'air tellement effrayants. Ça fait peur. Vos costumes sont magnifiques. Comment vous faites pour voler dans les airs? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris. Vous êtes dans la peau de votre personnage. On se revoit au bal gothique. À tout à l'heure. Au revoir. Elles sont trop mignonnes. On va bien s'amuser. Ce thème gothique est bizarre, mais on va bien s'amuser à ce bal. Je ressens une présence forte et obscure. Regardez. Attention. Venez, on va les suivre. Mais pas de trop près, quand même. Appartenez maintenant. Nous sommes les enfants de la nuit et vous l'êtes devenus aussi. Les enfants de la nuit, on est à vos ordres. Nous prendrons ensemble le contrôle de cette ville et nous éliminerons notre ennemi, Bloom. Ils en veulent à Bloom. Nous devons faire quelque chose. Lockett, arrête! Vous n'arriverez jamais à lui faire du mal. Allez! Lockett! Oh non, elle est en danger! Feront merveille dans notre armée. Jamais de la vie. Bloom, il se passe des choses étranges dans ta ville. Les mini-fées, suivez-moi. Que vous avez fait pour vous retrouver dans ce bal gothique à Gardenia? Ben, on voulait seulement te remonter le moral. Et puis, on a été encerclés par un groupe de jeunes qui avaient besoin d'une bonne manucure. Ils ont dit qu'ils s'appelaient les enfants de la nuit. Mais ils n'existent que dans les histoires. Oh, le légendarium. Oh, oh, ça y est, les voilà. Ils sont plus forts que je ne le pensais. Ah! 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 Ah!
hors de danger, Lockett. Mais si on bat tous les vampires, les autres ne vont pas retrouver leur état normal? Réveille-toi! Oh. Tu m'entends? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Parce que... les revoilà! Chose que moi. Oh. Oh, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Ça veut dire que les mini-fées sont en danger. Les mini-fées, je sais ce que je vais faire. Nous devons absolument sauver Gardenia. Mais... comment? Comme les vampires attaquent Gardenia, Bloom et les mini-fées sont en danger. Elles ont désespérément besoin d'aide. Sous-estimant le danger, les Winx partent à la recherche de Bloom. Mais lorsqu'elles rencontrent les vampires, elles doivent une fois encore s'unir pour protéger la ville de Gardenia et vaincre les enfants de la nuit.